Salut à tous, c'est Antax. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo pour deux astuces pour gagner pas mal de followers et de bucks sur The Crew 2. Donc on se retrouve tout de suite pour la première astuce. Alors pour la première astuce, il vous suffira d'avoir une motocross et il vous suffira aussi d'aller dans le désert de sable juste au-dessus de la Vegas, là où je vous montre. Alors quand vous serez au désert de sable, vous allez essayer de trouver une mission drift au sol ou vitesse au sol. Donc moi personnellement, je vais prendre vitesse au sol. Donc vous faites voyager vert. Et quand vous êtes dessus, vous allez prendre votre motocross. Vous avez votre motocross, vous allez faire start, aller dans options. Donc excusez-moi pour le petit bug de ma manette. Vous allez aller sur options, commandes, et vous allez vous mettre en séquentiel. Alors une fois tout ça fait, vous allez bien vérifier que vous êtes bien sur la petite mission. Donc quand vous êtes dessus, vous passez la première de votre moto. Vous allez vous vérifier bien que vous voyez bien le détail en bas. Vous allez tourner à fond, accélérer doucement et après accélérer à fond. Et vous allez voir que vos followers vont monter. Donc avec l'after patch, il vous suffit de faire X et rond sur PS4. Et vous voyez bien que je peux continuer à gagner des followers à l'infini. Alors pour bien vous montrer que c'est bien après le patch, je vais essayer avec le double pavé tactile et vous voyez bien que ça ne marche pas. Et là je refais avec X et rond et vous voyez que ça marche. Donc cette astuce m'a été montrée par mon ami Optimistic, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner et liker sa vidéo. Et je vous retrouve pour la prochaine astuce. Donc pour la deuxième astuce, il vous suffira d'avoir une hypercar assez puissante. Et d'aller dans Start, Activité, Street Racing, d'aller dans Hypercar et de prendre la voiture de la trail première partie. Donc moi je la mets en difficile vu que ma voiture est améliorée à fond. Mais vous, si vous commencez avec les hypercars, mettez-la en simple, ça rapporte déjà pas trop mal. Pendant la course, je vais vous montrer tous les raccourcis qui ne sont pas forcément de moi, mais il y en a quelques-uns que j'ai trouvé moi-même, je ne sais pas s'ils sont en vidéo. Donc là vous allez passer à côté du lampadaire, à côté de l'arbre, ce qui va vous permettre de prendre une ligne droite totale et de gagner beaucoup plus de temps sur les bottes. Pour le deuxième raccourci, arrivé ici vous allez freiner et vous allez passer juste ici pour gagner encore quelques temps. Alors le troisième raccourci qui paraît un peu logique est que vous allez passer juste en plein milieu du rond-point pour gagner encore du temps. Pour le quatrième raccourci, arrivé à 24%, vous allez passer entre les deux poteaux, entre les deux arbres et encore entre les deux arbres et revenir sur la route.
Alors pour le cinquième raccourci, regardez bien où je suis sur la carte. Donc vous allez aller exactement où je vais avec ma voiture. Donc vous faites le grand virage. Et dès que vous ne voyez plus le mur, vous allez prendre totalement à gauche. Vous pourrez très bien prendre un peu plus à droite pour reprendre directement la route. Et moi je vais vous montrer l'astuce qui vous fait gagner encore un peu plus de temps. Où il suffit de prendre un peu plus large à gauche, de passer entre tous les arbres et de passer par le caillou. Alors le dernier raccourci se trouve ici, donc je vais vous mettre une flèche où j'aurais dû passer mais je n'ai pas pu, juste ici. Vous pouvez passer pour sauter par les cailloux et aller dans le ravin, mais vous pouvez aussi faire comme je vais vous montrer, passer juste là à droite, passer entre les deux gros sapins et sauter par le caillou. C'était le dernier raccourci en off-road. Avec tous les raccourcis que je vous ai montrés, vous pouvez voir que j'ai mis presque 1 minute 30 au bot. Alors une fois la course finie, vous pouvez voir que j'ai gagné exactement 11 452 followers et 93 000 $. Donc je gagne beaucoup plus que 84 000 parce que j'ai mis tous mes points d'or riche, donc je vais vous montrer ça. Vous pouvez aussi voir que j'ai pas assez de place pour le loot tellement on gagne de loot. Donc pour mettre vos points d'or riche, vous faites start, pilote et point d'icône. Une fois là, moi j'ai tout mis dans confort et riche et puis après j'ai mis un peu de n'importe où dans véhicule et gameplay. Voilà, j'espère que ces deux petites astuces vous auront plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.